السلام عليكم. بونجور لي زامي. فن التواصل سبب من أسباب النجاح في الحياة، لذلك اخترت لكم في هذا الفيديو شرح مقال فرنسي بعنوان Le succès par la prise de parole، النجاح وفن الخطابة. هذا المقال تعليمي، سنتعلم فيه اللغة الفرنسية المتداولة وتثقيفي في مجال فن الخطابة، أي التكلم أمام الناس. Je vous souhaite une bonne écoute. Le succès par la prise de parole. النجاح وفن الخطابة. كتب هذا المقال إدوارد لويس. Apprenez l'art de parler en public et améliorez votre confiance en vous. تعلم فن الخطابة أو فن التكلم أمام الناس وحسن ثقتك votre confiance en vous. وحسن ثقتك بنفسك. Connaissez-vous l'art de parler en public? Connaissez-vous aussi la peur d'être ridicule devant une foule de personnes inconnues ou même connues? هل تعرف فن الخطابة أو فن التكلم أمام الناس؟ هل تعرف أيضا ذلك الخوف, la peur الذي ينتابك أمام جمهرة من الناس devant une foule de personnes الذين تعرفهم connu أو الذين لا تعرفهم inconnu فيجعلك تبدو أمامهم سخيفا ridicule سخيفا. Bienvenue dans le monde de la communication. إذن مرحبا بك في عالمي التواصل la communication. Parler en public n'est pas si terrifiant quand on connaît les astuces et les différentes techniques. فالتحدث أمام الناس ليس بالأمر المرعب terrifiant المرعب إذا كانت quand on connaît, إذا كانت لدينا المعرفة بالحيل les astuces et les différentes techniques والتقنيات المختلفة. L'ensemble de ces techniques sont utilisées par la majorité des professionnels de la communication. فجميع هذه التقنيات l'ensemble de ces techniques sont utilisées تستعمل par la majorité تستعمل من طرف أغلبية la majorité des professionnels المتخصصين في مجال التواصل. Vous savez, ces personnes qui semblent tellement à l'aise devant la foule, celles qui donnent l'impression qu'elles n'ont peur de rien. Vous savez, تعرفون هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون qui semblent tellement الذين يظهرون جد هادئين tellement à l'aise أمام الناس devant la foule الذين celles qui donnent الذين يتركون ذلك الانطباع l'impression qu'elles n'ont peur de rien الذين يتركون ذلك الانطباع بأنهم لا يخافون من أي شيء n'ont peur de rien. La maîtrise de l'art de parler en public est un réel atout pour avancer dans la vie. فإتقان فن الخطابة أمام الناس لهي ميزة est un réel atout. Atout هي الميزة. Un réel atout, ميزة حقيقية pour avancer dans la vie. للتطور في الحياة. Même une seule personne représente un public que vous devez convaincre. فحتى وإن كان شخصا واحدا une seule personne فهو يمثل représente جمهورا un public فهو يمثل جمهورا من الناس يجب عليك que vous devez convaincre يجب عليك إقناعه comme par exemple un entretien d'embauche ou tout simplement séduire une femme. ومثال على ذلك في مقابلة وظيفة عمل في مقابلة وظيفة أو عمل un entretien d'embauche ou tout simplement séduire une femme أو فقط من أجل جذب امرأة بكلامك. هنا بين قوسين هذه المرأة يمكن أن تكون خطيبة تود الارتباط بها. Cela vous permet aussi d'avancer dans votre carrière professionnelle et d'augmenter vos cercles d'amis. وهذا سيساعدك, cela vous permet,
أيضاً aussi d'avancer dans votre carrière. سيساعدك أيضاً للتقدم في عملك المهني, votre carrière professionnelle, وكذا توسيع دائرة أصدقائك, et d'augmenter توسيع votre cercle d'amis, دائرة أو دوائر الأصدقاء. هنا بمعنى دائرة الأصدقاء. Un jour ou l'autre, vous serez confronté à cette un jour ou l'autre, vous serez confronté à cette situation, que ce soit dans votre travail, dans votre famille ou avec vos amis. Un jour ou l'autre. Fi yawmin ma. Un jour ou l'autre. Sayuwajihuka. Vous serez confronté. La confrontation, yel muwajiha. Vous serez confronté à cette situation. Sayuwajihuka hada al-mawqif. La situation. Huna bima'na al-mawqif. Sawa kana. Que ce soit. سواء كان que ce soit dans votre travail, سواء كان هذا في عملك votre travail, dans votre famille أو وسط عائلتك أو مع أصدقائك ou avec vos amis. Mais c'est souvent sur votre lieu de travail que l'on est réellement coincé, car la demande vient le plus souvent de votre supérieur. Mais souvent, لكن في كثير من الأحيان. Souvent, في كثير من الأحيان, في عملك, sur votre lieu de travail, في عملك, المكان الذي تصطدم فيه فعلا, que l'on est réellement coincé, الذي تصطدم فيه فعلا, لأن الطلب, car la demande vient le plus souvent, car لأن الطلب يأتي غالبا من رئيسك, car la demande vient le plus souvent de votre supérieur, votre supérieur ou Raïsik. Raïsika fi al-amal. Oups, il va falloir relever ce défi qui vous terrorise. Oups, huna, oups, c'est une interjection. Naqulu anha bil faransiya, c'est une interjection. Bil arabiya, hiya matalan hiya tabban ou أو مقابلها هو أوف يعني تبا أوبس il va falloir relever ce défi qui vous terrorise يعني تبا يجب رفع هذا التحدي ce défi الذي qui vous terrorise الذي يرعبك. Mais je vous rassure, il existe des techniques pour vraiment vous mettre à l'aise le jour J et d'autres pour bien préparer votre intervention. Mais je vous rassure, لكن دعني أطمئنك, il existe des techniques. هناك تقنيات تعطيك الطلاقة والثقة بالنفس, vous mettre à l'aise, تعطيك الطلاقة والثقة بالنفس لذلك اليوم المحدد, le jour J, يعني اليوم المحدد, أو اليوم اليوم الموعود, أو le jour J, et d'autres pour, وتساعدك أيضا في إعدادي, et d'autres pour bien préparer votre intervention, وتساعدك أيضا في إعدادي مقابلتك, المقابلة هي الانترفانسيون. La préparation est une étape très très importante pour la réussite de votre discours. فالإعداد, la préparation est une étape. فالإعداد هو مرحلة جد مهمة, très très importante, هي مهمة pour la réussite, لنجاح votre discours, خطابك. Quelques astuces pour diminuer votre trac. يعني هنا بعض الحيل للتقليل من القلق أو الارتباك. Quelques astuces pour diminuer votre trac. Imaginez-vous un film catastrophe de votre présentation et ensuite une situation qui se passe bien. Imaginez-vous un film catastrophe. تخيل فيلم من فيلم من تشخيصك. Imaginez-vous un film catastrophe. تخيل فيلم من تشخيصك حول يحكي كارثة,
une catastrophe de votre présentation et ensuite وبعد هذا تخيل حدثا جميلا et ensuite une situation qui se passe bien وبعد هذا تخيل حدثا جميلا قلب الأمر. Le trac engendré par cette fiction a pour effet de calmer et de relativiser l'événement à venir. فالخوف الناجم le trac فالخوف الناجم عن هذا التخيل le trac engendré par cette fiction فالخوف الناجم عن هذا التخيل دوره a pour effet de calmer هو التهدئ وإضفاء نوع من النسبية relativiser la relativité هي النسبية relativiser بمعنى إضفاء نوع من النسبية relativiser l'événement à venir إضفاء نوع من النسبية للحدث المقبل l'événement à venir هذه قولة لحد علماء النفس psychologue عالم نفسي. Bien préparer son discours et connaître son sujet diminue le stress. فالإعداد bien préparer son discours فالإعداد الجيد للخطاب le discours ومعرفة الموضوع et connaître son sujet diminue le stress يقلل من الارتباك. S'entraîner en parlant devant son miroir ou devant ses proches فتدرب وأنت تتكلم أمام المرآة le miroir أو أمام ou devant ses proches أو أمام أقاربك. S'enregistrer se corriger سجل وصحح être suffisamment reposé وأن تكون في حالة من الهدوء. Quelques points à apprendre pour réussir votre présentation. هنا إليك بعض النقاط الواجب تعلمها à apprendre لكي تنجح pour réussir votre présentation لتنجح في تقديم عرضك. Corriger vos défauts oraux يجب تصحيح أخطائك les défauts oraux يجب تصحيح أخطائك الشفوية. Rendre vos présentations intéressantes. جعل عروضك التقديمية مثيرة للاهتمام. مثيرة للاهتمام هي intéressante. Surmonter et accepter votre peur du public et apprendre à le connaître. تقبل هذا الخوف من الناس أي اعترف به اعترف به لتفهمه ومن ثم تغلب عليه. Apprendre à le connaître. Développer et augmenter votre confiance en vous. طور وارفع ثقتك بنفسك. Apprendre à captiver votre auditoire. تعلم كيفية جذب انتباه الجمهور. Développer l'élément le plus important de votre présentation. طور العنصر l'élément. العنصر المهم le plus important de votre présentation المهم في عرضك التقديمي. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre future intervention. أتمنى لك النجاح الكثير في مداخلتك المقبلة. À très bientôt.